Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 20 décembre 2017 et aujourd'hui nous allons parler d'alimentation, mais surtout, surtout, surtout de cancer. Encore, on va continuer. Ah, c'est fini les vaccins? Non, c'est pas fini les vaccins. C'est la même chose, hein. Le cancer est induit par les vaccins, il faut le savoir, hein. Toute l'industrie pharmaceutique, en fait, depuis 2 siècles en tous les cas, est une imposture phénoménale et ne fait qu'encourager le développement des maladies et non pas de les guérir. Alors évidemment, les médias sont toujours complices en vous montrant des vidéos d'enfants leucémiques ou autres pour vous faire pleurer, mais c'est eux qui ont créé ces maladies-là. Un enfant ne peut pas développer une leucémie s'il n'a pas été infecté par un virus dans un vaccin ou simplement par l'anagalase. Et comme l'enfant, bah, les enfants, ça mange des cochonneries, des sucreries, bah, c'est ça aussi l'enfance, ils y ont droit. Eh bien, on s'est rendu compte aussi que tous les enfants atteints de leucémie étaient ce qu'on appelle, ce que disait mon maître, Jean Gilles de Pélichy, des becs sucrés, c'est-à-dire des enfants qui ne mangeaient que du sucre, des acides. Donc, c'est les bonbons fraises que vous connaissez, c'est tous ces trucs-là. C'est délicieux au goût, mais c'est absolument infâme pour le corps. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, bah tiens, on voit mes bouteilles d'eau, c'est pas très élégant ça. Allez, on va les changer de place. Comme ça, vous les verrez plus. Alors, ah, il a toujours un petit foulard. Alors, ce foulard-là, vous voyez, c'est celui de mon père. Il ne me quitte pas. Il ne me quitte pas. Et tu vois, papa, on va encore leur en foutre plein la gueule à ces putains de laboratoires qui t'ont assassiné. On va leur en foutre plein la gueule. Alors, il est avec moi tout le temps. Donc on va parler d'alimentation. C'est très important. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais en dehors des gens qui font 2 heures de sport. Bon, qui sont sveltes, sportifs, athlétiques, qui prennent des protéines, qui sont aussi des saloperies, c'est pas mieux non plus, qui sont en train de se flinguer les genoux, les coudes, enfin bref, ils sont en train de s'abîmer le corps. Eh bien, il y a les autres. Et les autres, vous pouvez vous regarder, on a tous l'air des gros facochiens. Des très gros facochias parce que nous mangeons mal. C'est très important de savoir manger. Et il faut savoir, comme je l'ai posté ce matin, une vidéo de Perigo Legas, qui est un journaliste spécialisé sur l'alimentation. Très, 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 très performant. Hein. Je crois que c'est l'époux de Natacha Polony, d'ailleurs. Donc c'est vraiment un couple très dynamique. Eh bien, Perigo Legas explique, Perigo, m'excusez, hein, explique parfaitement comment est-ce qu'on en est venu à manger de la merde. Et que c'est cette merde, eh bien, qui nous assassine. Alors, on nous donne de la merde à manger simplement pour, parce que c'est moins cher. Mais je vous assure que on peut faire de la bonne cuisine avec quelques légumes bio. Hein. Il faut pas grand-chose pour faire un bon repas. Hein, Louloute, c'est vrai. Ah, ah ouais, elle me dit ouais. En fait, elle est très contente de manger quelques petits légumes, elle aussi. Nous, on est des végétariens. Voilà. Bon, vous en foutez, je le sais. C'est pas grave. Nous allons commencer. Alors, comme je vous le dis, je vous l'ai dit la dernière fois. Ces capsules ne remplacent pas une ordonnance ou ce ne sont que des conseils que je partage. Vous en faites ce que vous voulez. En dehors de cela, tout ce que je dis est juste, à tel point que je vais même vous lire un petit témoignage qui m'a été envoyé ce matin. Et que j'ai trouvé très très intéressant. Je remercie la personne, je ne donnerai pas son nom. Parce que c'est très difficile, et puis il ne faut pas donner ses sources, hein, c'est comme ça, quand on fait de l'information. Donc, je vais vous lire ce passage, parce que ça complète
cette capsule d'aujourd'hui. Très cher Philippe, je suis experte en radioprotection diplômée du génie atomique et votre vidéo sur la mammographie m'a extrêmement intéressée. Alors là, je me suis dit, oh, je vais me faire incendier, elle va m'insulter. Eh ben non. Je confirme ce que vous dites. J'ai personnellement entendu le professeur Toubiana, lors d'un colloque intitulé Nucléaire et santé, affirmer que les mammographies étaient dangereuses parce que délivrant des doses d'irradiation susceptibles de déclencher des cancers et par ailleurs impliquant des faux diagnostics, tout ce que je vous ai dit hier. Je peux vous assurer que depuis, je n'ai plus jamais effectué cet examen. C'est un business hyper fructueux pour les radiologues qui sont dans le corps médical parmi les gens les plus rémunérés. Toute radiothérapie, qu'elle soit préventive ou curative, est un scandale quant à la chimiothérapie et son inefficacité absolue. Je ne peux que confirmer. J'ai, à titre d'exemple récent, ma cousine, actuellement à l'agonie depuis une quinzaine d'années, sous chimio à partir d'un cancer du sein qui n'en était peut-être même pas un. Qui sait? Je ne manque aucune de vos vidéos, patati patata, bref, voilà. Soutien inconditionnel. Je pense que cette dame. Je pense que c'est une dame, d'ailleurs. Je suis pas certain. C'est un pseudo. Bon, je pense que cette personne est radiologue. Et on se demandait hier avec Louloute, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas, on n'ait pas un seul médecin qui vient témoigner ou s'énerver contre toi ou ci ou ça? J'ai dit, ben, soit ils sont complices, soit ils osent pas, soit là, vraisemblablement, quelqu'un vient d'oser. Et j'en suis très heureux parce que ça confirme que ces vidéos, même si Google essaye de nous faire taire, parce que j'ai aussi appris des histoires de pouces en moins, en fait, c'est parce que quand on met des pouces en moins, ça décrédibilise les personnes et c'est fait exprès, c'est des robots qui font ça. C'est pas des gens particulièrement malveillants, bien qu'il y en ait, hein. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Moi, si je devais m'arrêter à ça, je ferais plus rien. Donc, ce sont des actions menées par Google. Donc, Google, Bill Gates. Alors, j'ai donné comme information que Bill Gates était propriétaire de Google. On m'a dit, c'est pas vrai. Alors, je peux vous assurer que Bill Gates est tout à fait en possession de ces géants de l'Internet et que il est bien plus propriétaire que ce que vous pouvez imaginer. Pensez d'ailleurs à Medvedev, l'ancien président russe qui avait gardé Vladimir Poutine en tant que premier ministre, alors qu'avant Poutine était lui-même président et Medvedev son premier ministre. Et en fait, on a fait un jeu de chaise musicale, mais celui qui contrôlait, c'était toujours Vladimir Poutine, et c'est toujours Vladimir Poutine. Et heureusement, heureusement que Vladimir Poutine est à la tête de la Russie aujourd'hui. Parce que grâce à lui, nous n'avons pas de Troisième Guerre mondiale. Malgré toutes les volontés de cette saloperie de Madame Olga Sisama et des petits bocassas de merde qu'on a en France, qui sont des incapables, incompétents au service du grand capital et de la destruction de l'humanité. Perigo Legas avait déclaré dans cette vidéo que la malbouffe ne sert qu'un seul objectif, celui des laboratoires, évidemment, parce que ça rend malade. Et après, il faut soigner. Donc, nos gouvernants, qui sont des incompétents, des incapables, eh bien, c'est ce que nous croyons, mais en fait, ils sont très compétents et très capables, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ce sont des gens malveillants. Quand on entend le petit Bokassa parler de son peuple, mon pauvre ami, si j'osais te dire que tu n'as pas de peuple et ton peuple te déteste cordialement parce que tu n'es qu'une petite fiente de pigeon déposée sur la France pour quelque temps. Ensuite, ils vont nous mettre une bonne femme, type Lagarde ou type une autre grognasse amie de Monsanto. Ça sera sordide. Donc, je crois, chers amis, qu'il est temps que le peuple reprenne son destin en main. Les choses changent, je vous assure, les choses changent. Mais reprenez votre destin en main. Regardez ce qui se passe encore avec Nicolas Hulot, qui est le ministre
pseudo-ministre de l'écologie qui a montré son patrimoine de véhicules, mais en le temps, c'est pas possible. Le type, il a 9 véhicules, pourtant il a que 2 bras. Et c'est un écologiste. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tant qu'il y aura des millionnaires dans les gouvernements, eh bien, ce sera des gouvernements faits par les riches pour les riches. Et quand j'entends cette espèce d'immonde petit Bokassa de rien du tout qui devrait se transformer en gros facochère, exactement, parce qu'il a les dents longues et qui ose prétendre les pauvres sont jaloux. Les pauvres? Mais c'est les pauvres, ce sont les pauvres qui t'ont élu, salopard. C'est quand même extraordinaire ce mépris des gens, cette absence d'écoute. C'est un scandale. On met en place des. Mais c'est fait exprès, des satanistes, des monstrueuses personnes. Ah, je vais avoir des pouces en moins. Hein. Hé, hey, Google! Tiens. Ça va, Loot, c'est bon. C'est bon, j'ai rien dit. J'ai pas dit de grossièreté. Chut. Attention, hein! C'est la clé. Elle est belle, hein? Ça, c'est la clé du placard. Elle se calme là. Sinon, c'est au placard. Non, mais, vous savez ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, Louloute va chercher une bûche. Pas dans le frigo, mais dehors. Elle revient avec une bûche et un frelon gros comme ça. Je lui dis, malheureusement, on doit s'en débarrasser parce que c'est trop dangereux, ça. Non, les animaux. J'ai dit, bah oui, bien sûr, c'est les animaux, faut les protéger. Oui, mais pas ça. Parce que ça, c'est très dangereux. Si on fait une allergie, on peut en mourir. Eh ben, elle jette son pull dessus pour l'amener dehors. Son pull en laine. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui devait se passer arriva. Elle se fait piquer. En décembre, par un frelon. Ben on a soigné, si vous voulez qu'on fasse ça, on a soigné, puis on a mis le frelon dehors. Ce matin, elle est arrivée avec un bâton. Elle a tapé dessus pour voir s'il était encore dans le pull. Et il s'était barré, ou alors il a servi de repas aux mésanges, aux oiseaux, je ne sais qui. Donc voilà, alors faites attention quand vous prenez une bûche. C'était la bûche de Noël. Bon, la pauvre. Mais elle va bien, je vous assure, elle va bien. Mais le placard t'attend, hein? Fais attention. Allez. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre va vous surprendre à plus d'un titre. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà dans les années 1930, on soignait les cancers avec des fruits et légumes. Dans les années 2000, un jeune homme du nom de Marc Vark, c'est dans Pandora, hein? C'est dans Pandora, hein, c'est là-dedans. Et dans le second également, hein, parce que ça s'enchaîne avec le second, hein, donc dans les deux. Marc Vark a été atteint d'un cancer du côlon, en stade 3, et il a réussi à en guérir uniquement, alors déjà en refusant la chimiothérapie, la radiothérapie, il a tout refusé en bloc. Et il a dit, moi je vais me soigner autrement. Et il s'est soigné qu'avec des jus de fruits et des jus de légumes. Moralité, le jeune homme a tué toutes les cellules cancéreuses de son corps et il est vivant aujourd'hui. Alors, les associations contre le cancer essayent de prendre Marc Vark avec elle pour qu'il vienne témoigner, mais il refuse et il a raison. Il dit, mais moi, je suis guéri du cancer, certes, mais j'ai pas envie de faire votre propagande sur la chimiothérapie et tous ces produits qui ne fonctionnent pas. Parce que, malheureusement, comme l'a dit ce témoin, et à mon avis, c'est un radiologue, eh bien, la chimiothérapie, bah, ça tue plus que ça ne guérit. Et je vais vous en apporter la preuve. Donc aujourd'hui, sont publiées des recherches qu'on connaissait depuis les années 30. C'est-à-dire que ne croyez pas qu'on ne sait pas guérir le cancer. On sait très bien guérir le cancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont trouvé, les laboratoires ont trouvé une nouvelle méthode pour rendre le cancer inguérissable, en mettant des virus OGM dans les vaccins, dans tous les vaccins. Et c'est pour ça qu'ils veulent forcer la vaccination. Parce que comme ça, vous attraperez inévitablement un cancer, pas tout de suite, demain ou après-demain, hein, peu importe. Et celui-ci ne sera pas guérissable parce qu'il sera synthétique.
Alors peut-être que là, la chimiothérapie synthétique pourra toucher le virus du cancer synthétique, peut-être. Mais et il faut savoir que le reste de la chimiothérapie vous achèvera inévitablement parce que si on ne meurt pas du cancer, la plupart du temps, on meurt du traitement du cancer, donc de la chimiothérapie. Alors, ne vous inquiétez pas, malgré les menaces ou tout ça, ce n'est pas important, ces informations sont disponibles, on les connaît. Tous les vrais médecins, je parle des vrais médecins, ceux qui ne vous vendent pas ces saloperies, comme un produit miracle pour vous guérir, le savent. Ils le savent, c'est pas possible qu'ils ne le sachent pas. Comment se fait-il que moi, je le sais? Je le sache. Le sachez, sachez. Le sachez, sachant, sachez, chachacha. Comment ça se fait? Comment se fait-il que j'arrive à vous sortir des livres qui vous informent sur la santé et sur la guérison de votre santé? Alors maintenant, évidemment, comme on ne peut plus reculer parce que la pression est trop forte, parce que le cancer est une maladie inventée, comme je vous l'ai prouvé lors de la conférence de 2 heures sur le sujet, eh bien, on mène des études officielles, scientifiques, sur la nourriture, sur les légumes. C'est pour ça qu'ils nous mettent des légumes OGM. Monsanto, Syngenta, DuPont, tous les producteurs d'OGM, eh bien, ils nous font des légumes OGM pour briser les molécules des légumes, ces molécules qui soignent. C'est ça le problème. Donc, cultiver, même si dans certains États aux États-Unis, c'est désormais un crime en Floride de cultiver ses propres légumes dans son jardin, eh oui, mais ça va arriver ici, vous allez voir. Avec le petit Bokassa et son castaner de. Ça fait mal quand ça sort. Eh ben, ils vont nous voter ces lois-là. C'est inévitable. Nous sommes face à une bande de gangsters dont le seul objectif est de nous rendre malades, dépendants et de nous faire crever. Il n'y a pas d'autre raison. Mais il va la cracher, ça va là, le gros facochère, là, qui vont se dire les gens. Allez, le chou. Le chou. Le chou commun, le chou. Est plus efficace que la chimio contre le cancer du col utérin. Mais pas que. Alors ça veut dire que les laboratoires vous ont sorti le Gardasil, hein, ou le Cervarix, ou n'importe quel autre vaccin contre le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus humain. Mais vous n'en avez pas besoin puisque on peut soigner le cancer du col utérin avec un chou. Alors là, vous dites, il a complètement perdu les pédales. Non, justement, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous brisiez ce lien qui vous tient et qui a été placé depuis votre enfance par les laboratoires, le système de communication audiovisuelle et l'État, qui est complice justement de ce mensonge. Il faut que vous brisiez, que vous coupiez ce lien en vous disant. Les maladies proviennent de la nature, c'est donc que la nature a les solutions à ces maladies. Et je vous en donne la preuve. Alors, c'est un article qui a été publié par GreenMed Info Research Group en 2017, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 3 jours. Il y a 3 jours, vous voyez, ça c'est directement sorti du cul du camion, là. Là, vous êtes vraiment dans l'information, et vous allez voir que dans 15 jours, les soi-disant journaux parallèles vont nous piquer cet article, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que nous en parlions, ce sont des incapables qui ne font que copier, incapables de faire leurs recherches eux-mêmes. Mais c'est comme ça. On a l'habitude, en France, c'est que de la traîtrise, de la veulerie, du pillage. Mais c'est pas grave. Moi, je vous offre ça gratuitement pour votre santé. Profitez-en, gavez-vous de ça, sauvez-vous la vie et la vie de vos enfants. Les méthodes courantes de la médecine allopathique sur les traitements du cancer par radiation et chimiothérapie sont loin d'être un remède. Et ça fait 3 conférences, 3 capsules que vous commencez à le comprendre et à le savoir. Les médecins le savent. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? Mais à votre avis, pourquoi? Bah pour faire fonctionner l'industrie, c'est tout, pour gagner du pognon.
Et puis plus vous êtes malade, plus vous allez le voir. Puis vous allez lui parler de vos problèmes. Et puis lui, il va vous redonner encore des médicaments qui vont vous empoisonner davantage. C'est comme ça que ça marche. Le jour où vous aurez compris, vous ne fréquenterez plus les médecins. Et les médecins se poseront des questions en se disant, attends, mon chiffre d'affaires, il commence à baisser. Comment ça se fait? Ah bah oui, mais les gens, ils se soignent naturellement maintenant. Ah bah merde, alors il faut qu'on invente des nouveaux virus, il faut qu'on invente des nouveaux cancers, il faut... Ah bah oui, tout de même, non? C'est comme ça que ça marche. En fait, ils peuvent rendre le cancer plus meurtrier, c'est-à-dire radiation et chimiothérapie, qui sont censées guérir les gens, et en fait les poussent dans la tombe. Ça accélère le cancer. Mais de nouvelles recherches montrent que certains légumes communs pourraient être plus efficaces que la chimio et les rayons dans la lutte contre le cancer. Pourquoi? La réponse a à voir avec les cellules souches du cancer, qu'on appelle les CSC, que la chimiothérapie et la radiation ne peuvent pas atteindre. Alors ça, c'est des cellules souches. C'est-à-dire que les cellules souches, ce sont ces cellules qui sont dans le corps, qui sont les cellules souches du cancer, on en a tous. Sauf que notre système immunitaire, les macrophages et la vitamine D que nous sécrétons normalement, vont les annuler, ne vont pas les laisser se développer, vont les détruire même. Sauf que ces cellules souches, elles sont renforcées par la radiation et elles sont renforcées par la chimiothérapie. Vous allez me dire, mais attendez, c'est pas possible. On a créé la chimiothérapie pour justement tuer les cellules du cancer. Oui, ça tue peut-être les cellules du cancer à un certain niveau, c'est-à-dire, on va dire, entre 40 et 50%, il en reste encore 50, mais ça touche absolument pas les cellules souches. Au contraire, ça les renforce. En fait, ces cellules souches, c'est comme si c'était un distributeur. On a dans le corps un distributeur de cellules cancéreuses. Et c'est comme la blague de Coluche, hein, le Belge qui arrête pas de mettre des sous dans le distributeur, et puis il y a les gens derrière, puis il a des canettes de bière, de soda, de machin qui tombent, et puis les gens derrière, il faudrait peut-être en laisser pour les autres. Hein. Et le Belge qui se retourne et qui lui dit, tant que je gagne, et je joue. Bah oui, tant que tu gagnes, tu joues. Ben là, c'est pareil. Les cellules souches, tant que je gagne, je joue. Donc, plus on les renforce avec la radiation et la chimiothérapie, et ben plus elles fabriquent des cellules cancéreuses qui vont se transformer en métastases et qui vont s'étendre partout dans le corps. Donc c'est les cellules souches qu'il faut viser. Ce n'est pas les cellules du cancer. Parce que les cellules du cancer, on peut les éliminer, mais pas les cellules souches. Donc, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est le distributeur, c'est le jackpot. Hein. Alors, ce qui explique que cette méthode synthétique développe le cancer au lieu de la circonscrire. Mais à mon avis, ça va changer, c'est pour ça qu'ils travaillent les labos. Ils sont en train de transformer le cancer en maladie synthétique, de sorte de justifier leurs 60 ans de chimiothérapie meurtrière, parce que maintenant ils sont obligés de cacher, vous comprenez? Tout est là, hein? On est obligé de cacher les responsabilités qu'on a dans les morts des maladies cancéreuses. Alors, monsieur, madame, je suis désolé de vous apprendre si votre enfant est décédé à cause de quoi? À cause de qui surtout? Vous avez perdu vos parents, vos enfants, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents, c'est pareil. Tout est lié à ça. Et maintenant, ils sont en train de dissimuler l'information en s'acharnant à fabriquer des virus mutants qui ont vraiment cette fonction mutagène qu'on ne peut pas identifier comme avec la polio. Et là, on ne sait pas pourquoi cette polio, comme je l'ai expliqué hier en Syrie, se développe alors que c'est censé protéger. C'est l'exemple parfait de l'illustration du génocide humain par des entreprises du mal, malfaisantes, telles que les laboratoires. Donc les laboratoires et les États, l'ONU, l'UNICEF, tout ça dans une poubelle. Hein. On prend tous les hauts responsables. On les met dans un sac, on les envoie à Abu Ghraib, comme les Américains sont très forts pour ça, et puis là, ils vont les torturer, et ils vont leur faire avouer la vérité, et vous verrez, ça va sortir. C'est inévitable. Ils sont responsables de crimes contre l'humanité, hein, mais toute l'humanité. Et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Je me demande où sont les associations de défense des cancéreux,
il serait temps d'attaquer les laboratoires. Je vous ai donné toutes les informations. Et là, on continue. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui vous dis ça, hein. Moi, je ne fais que retranscrire. Dans une étude publiée dans la revue Cancer, les chercheurs de UCLA, alors UCLA, c'est l'Université de Californie, à Los Angeles, ont montré que le rayonnement permet en effet aux cellules cancéreuses du sein de devenir encore plus malignes, donc mortelles. Donc les rayons, pour le cancer du sein, hein, la radiothérapie, je reprends, permet en effet aux cellules cancéreuses du sein de devenir encore plus malignes, donc mortelles. La radiothérapie développe le cancer dans votre corps, mesdames. Donc réfléchissez à deux fois. Si vous voulez le faire, faites-le, hein, il n'y a pas de problème. Je sais que de toute façon, mais ces capsules, elles vont pas véritablement gêner cette oligarchie de laboratoire. Pourquoi? Parce que les gens n'y croient pas. Les gens croient dur comme fer que le traitement chimiothérapique va les sauver. Mais on ne peut pas les convaincre du contraire. Moi, je leur donne des informations. Elles en font, par exemple, ces dames, ce qu'elles veulent. C'est pas à moi de leur dire, il faut pas, il faut pas. Non. Non, 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 non. Moi, je donne des informations. C'est à vous de décider pour vous-même. Alors, UCLA a également constaté que le rayonnement tue à peu près la moitié des cellules tumorales traitées. Ce n'est pas les cellules souches, hein, c'est les cellules tumorales. Mais le rayonnement transforme l'autre moitié en cellules souches cancéreuses du sein. Ça veut dire que d'un côté, ça tue toutes les canettes qui descendent, mais de l'autre côté, ça recrée des cellules souches cancéreuses du sein qui vont refournir le distributeur en canettes. Donc dans l'absolu, ça rend le cancer immortel. Bien que les cellules souches cancéreuses représentent moins de 5% d'une tumeur, elles peuvent régénérer la tumeur d'origine. Moralité, vous vous faites opérer de cette tumeur, allez, on va la retirer, mais comme la cellule souche, qui est invisible à l'œil, eh bien elle reste sur place, même s'il n'y a que 5% d'une tumeur, elle va régénérer la tumeur. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait? J'ai fait une radiothérapie, j'ai fait une chirurgie. Comment ça se fait qu'elle revient? Elle revient parce que la radiothérapie a redonné vie à ces cellules souches. Elle les a même créées. Et ça, ils le savent très bien. Bien que les cellules souches cancéreuses représentent moins de 5% d'une tumeur, elles peuvent régénérer la tumeur d'origine. En fait, ces nouvelles cellules souches sont jusqu'à 30 fois plus susceptibles de former des tumeurs par rapport aux cellules cancéreuses qui n'ont pas obtenu de radiation. Les cellules souches du cancer, les CSC, peuvent également migrer à travers les vaisseaux sanguins et favoriser une propagation du cancer à des emplacements secondaires. C'est ce que l'on appelle les métastases. Comme c'est des cellules, c'est pas des kystes, c'est des cellules. Ces cellules, elles vont se promener partout. Et alors, du sein, elles vont se promener dans le poumon, dans le foie, dans le rein, dans les testicules, dans le col de l'utérus, partout, partout, dans le côlon, dans l'intestin, dans le cerveau. Elles vont se balader à travers le flux sanguin. Allez, on va se balader, les gars, hein? Bon, tu vas où, toi? Moi, je vais dans le côlon. Et toi, tu vas dans les testicules. Et toi, ah, dans le col utérin, j'aime bien le col utérin. Et toi, oh, moi, je vais dans le cerveau, j'aime bien le cerveau aussi, hein. Donc voilà, le cancer va se balader et va se promener dans tout votre corps. Et après qu'il a trouvé sa place, il va s'installer. Et calmement, eh ben, jackpot, les canettes vont continuer à tomber et il va se surdévelopper et régénérer. Les cellules, les tumeurs qui avaient été supprimées, ils vont les refaire, ils vont les redoubler, et les redoubler, et les redoubler. Et alors là, vous êtes investi, votre corps est investi par des métastases partout, vous avez un cancer généralisé, et vous en crevez, vous étouffez. Mais ce n'est pas un hasard. Ça a été fait volontairement. Alors maintenant, il y a les médecins qui vont hurler, qui vont dire. Mais ce que dit cet homme, c'est criminel. Est-ce que vous pensez que nous ferions cela?
Alors, soit, messieurs les médecins, oui, je le pense, vous le faites en toute connaissance de cause, parce que vous avez des informations, sauf que les laboratoires vous payent gracieusement, et donc vous vivez très très bien, alors que d'autres vivent très très mal. Soit vous êtes parfaitement ignorant des dernières découvertes, parce que ça ne vous intéresse pas, et que vous êtes persuadé qu'avec un titre de médecin ou de professeur, vous êtes meilleur que les autres. Or, vous n'êtes que des humains, et chez les humains, il y a une chose qui ressemble à tous les humains, c'est la faute. Eh oui, l'humain est faillible. Il n'y a pas de perfection. On la cherche, c'est sûr, mais vous ne la trouvez pas, la preuve. Comment vous expliquez que ma mère a eu 3 cancers du sein? Vous l'avez soignée, vous l'avez guérie, ça s'est redéveloppé. Ailleurs? Pourquoi? Parce qu'on lui a balancé des rayons. Et qu'après le cancer, lentement, s'est reconstitué et il a recommencé son travail de destruction. Ma mère est une rescapée extraordinaire. Hein? On ne sait pas comment elle a fait, mais c'est magnifique ce travail parce qu'il y a des femmes qui partent avec un seul cancer. Elle en a eu trois. Hein? Un, deux, trois au sein. C'est affreux. Donc, vous, messieurs les médecins, vous êtes coupables et responsables et complices de crimes contre l'humanité. Avec les laboratoires et Big Pharma, bien sûr. La chimio fonctionne donc de la même manière. Elle tue seulement les cellules cancéreuses les moins nocives, celles que le corps peut gérer en toute simplicité. Les cellules qui restent sont plus létales, donc mortelles. Ce sont les cellules souches du cancer, les CSC, qui résistent au traitement traditionnel pratiqué dans les hôpitaux. Maintenant, les chercheurs de la South Dakota State University ont trouvé qu'un composé se trouvant dans les légumes crucifères comme le brocoli, le chou et le chou-fleur peut cibler les cellules souches cancéreuses. Là, on ne parle pas des tumeurs, on parle des cellules souches, on parle du distributeur, on parle de celui qui va les créer et les recréer à l'infini. Et ça se trouve dans le brocoli, dans le chou et le chou-fleur, et ça peut détruire les cellules souches. En fait, cette molécule peut aider à prévenir, excusez-moi, la récidive et la prolifération de certains cancers. Le composé est appelé phénéthyl isothiocyanate. Phénéthyl isothiocyanate, ou PET-C. Quand les chercheurs ont ajouté le PET-C à une boîte de Pétri, alors la boîte de Pétri, c'est, vous savez, c'est ces boîtes en plastique ronde, donc il y a des cellules, bactéries, machin, là, il y a des cellules du cancer, alors ils rajoutent, comme quoi, c'est pas nécessaire de faire ça sur les animaux, donc ces études sont inutiles, une boîte de Pétri, ça suffit, puisque c'est cellulaire. Donc, ils ont mis donc ce phényl isothiocyanate avec une cellule cancéreuse. Donc, quand les chercheurs ont ajouté le PET-C à une boîte de Pétri avec des cellules souches humaines de cancer du col utérin, environ 75% des cellules souches cancéreuses sont mortes dans les 24 heures. Alors, on veut nous faire croire que le cancer est une maladie longue. Oui, c'est une maladie longue parce qu'elle est entretenue par chimiothérapie et par radiographie. OK? Par les rayonnements. Donc, dans une boîte de Pétri, on se rend compte qu'en 24 heures, avec le phényl isothiocyanate, 75% des cellules cancéreuses sont mortes. Ça veut dire qu'en 48 heures, on peut guérir d'un cancer. Putain. Peut-être 72, peut-être une semaine. Ça fait mal d'entendre ça. Ben, je vous assure que ça fait mal. Ça me fait mal aussi, comme à vous. Le PET-C se trouve dans les légumes crucifères. Des études montrent que cette molécule naturelle a également des pouvoirs anti-inflammatoires. Il est aussi démontré une activité chimio-préventive contre une variété de cancers, dont celui du côlon, de la prostate, du sein, du col de l'utérus, des ovaires et du pancréas. Du pancréas. Il n'y a rien qui guérit, si, c'est dans Pandora d'ailleurs. Je vous le remontre. Hein. C'est dans Pandora,
Il existe, je l'ai noté, il existe une vigne rouge en Chine qui a guéri le cancer du pancréas d'une souris. Donc on peut aisément se dire qu'elle pourrait guérir les humains. Donc, mais elle se trouve en Chine. Tout ça pour vous dire que si vous mangez du chou régulièrement, vous pouvez déjà éviter un cancer du côlon, de la prostate, du sein, du col de l'utérus, des ovaires et du pancréas. Donc, pour le col de l'utérus, pas besoin d'un vaccin. D'ailleurs, je vous signale, et ça c'est dans ce livre également, que le cancer du col de l'utérus ne sert à rien. Et d'autre part, il y a, du point de vue statistique, plus de chances de développer des effets secondaires dus à la vaccination que de développer un cancer du col de l'utérus, ce qui montre l'inutilité de ce vaccin, mais ça fait rentrer des sous dans la popoche. Voilà. Alors, le phényléthyl isothiocyanate, donc le PETC, est actuellement en essai clinique pour le cancer du poumon. Donc ils en rajoutent un autre. Mais pour le cancer du poumon, je vous l'ai dit dans Pandora encore, vous allez vous dire, mais il nous a déjà tout dit. Eh ben oui, mais si vous lisez pas mes bouquins, c'est sûr, vous saurez pas. Moi, ça fait longtemps hein, qu'ils sont là, qu'ils sont à votre disposition. Avant, je faisais pas de vidéos. Bon, alors il n'y avait pas de pub. Maintenant, j'en fais. Ben oui. Eh ben profitez-en, informez-vous. C'est fait. Pandora, c'est super. C'est vraiment un livre génial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est que des petits chapitres. C'est pas très long en dehors du garde-asile là où c'est très très long parce que c'est toute une enquête. Mais c'est que des petits chapitres et puis c'est accessible à tous. Donc tout le monde peut le lire. Et puis il y a quelqu'un hier qui me disait, mais ils sont vraiment pas chers, vos bouquins. Et j'ai dit, mais oui, ils sont pas chers, mais pourquoi ils sont pas chers? C'est pas parce que je veux gagner de l'argent, non. Parce que moins c'est cher, moins je gagne. C'est tout simplement parce que je veux qu'ils soient accessibles, vous comprenez? Je veux que vous puissiez vous les procurer. C'est tout. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous avez des bouquins, des bouquins de charlatans là, qui vous donne des recettes pour maigrir, mais des conneries, des conneries, des conneries, des mensonges. Lisez des choses avec des informations que je vous donne ici. D'ailleurs, je vais vous ressortir encore un bouquin avec toutes ces infos parce que ça sera un Pandora 3. Il n'y a pas de raison. Parce il faut vous informer de tout cela. Il faut que vous ayez ça sur papier. Donc, pour le cancer du poumon, donc dans Pandora, je vous avais dit il y a 5 ans que Cuba avait créé un vaccin contre le cancer du poumon qui pouvait même guérir des personnes atteintes en stade 4. Alors comment? En fait, le vaccin va tuer le cancer, mais il y a un mais, il va transformer le cancer en maladie chronique. C'est-à-dire que vous aurez une maladie chronique, vous n'en mourrez pas, vous serez soigné, mais vous n'aurez plus votre cancer du poumon. Et ça se trouve à Cuba, et à l'époque, Cuba avait même offert ce vaccin à toute la zone Caraïbe, gratuitement. Gratuitement. C'est pas par hasard que Obama s'est rapproché de Cuba, tout simplement pour pouvoir bénéficier de ce vaccin, l'intégrer dans ses groupes pharmaceutiques et faire beaucoup d'argent avec. Ah, j'ai fait tomber des gouttes, mais c'est pas grave. C'est que de l'eau. Ça tâche pas. Donc, pour éviter ce vaccin même, vous pouvez vous soigner avec des crucifères. C'est quoi les crucifères? C'est le chou. Le chou. Alors, les chercheurs du Dakota du Sud ont découvert que le PETC ralentit la formation de cellules souches du cancer du col de l'utérus de manière significative. Donc, les vaccins qu'on veut nous imposer de force et même aux petits garçons, tiens, prends ça dans ta gueule. Il faut que ça cesse. Il faut que vous arrêtiez d'empoisonner nos enfants. Et arrêtez d'empoisonner nos filles. Et regardez aussi dans Pandora, j'ai montré des témoignages des filles du garde-asile. C'est épouvantable. Épouvantable. Les chercheurs ont constaté également que le PETC a considérablement réduit la prolifération des cellules de cancer du col utérin et les cellules souches du cancer de ce col utérin. Ça veut dire que c'est incroyable comme le chou peut détruire les cellules du cancer. Et d'ailleurs, le papa de Louloute, il disait tout le temps mes enfants, mangez du chou, du chou, du chou, il n'y a que ça de vrai. Et il avait raison, il le savait, parce qu'on l'a toujours su. C'est pour ça qu'il transforme tout en OGM.
Comme ça perd des fonctions nutritives, ça perd toutes les fonctions qui sont là pour guérir. Mais mon Dieu, mais lisez la Bible. Je sais, les socialistes, ils veulent cracher sur la religion, mais c'est normal, il y a toutes les réponses. Dans tous les textes saints, il y a les réponses. Dans le Coran, il y a les réponses. Ne croyez pas que... C'est ça qui m'embête toujours. Le Coran, bien sûr, c'est l'islam, mais c'est pas parce qu'il y a des... Il y a des fous furieux que c'est un mauvais texte religieux. C'est pas vrai. Au contraire, il y a des réponses extraordinaires du point de vue scientifique. Et ça, il faut voir ça avec mon frère Hassan Bodhi. Il vous le dira mieux que moi. C'est passionnant, passionnant. Et puis, dans la Bible aussi, hein, il y a des fanatiques. Hein. Et puis, lisez l'Ancien Testament. Hein, les tribus juives, elles épargnaient personne non plus. Donc, c'est un problème humain. C'est pas un problème religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste des problèmes humains. Donc, si c'est pour détruire la religion et en mettre une autre en place, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, quand vous lisez la Genèse, qui est sans doute l'un des plus beaux passages de la Bible, vous lisez la Genèse, eh bien, le Tout-Puissant déclare que, il y a un jardin d'Éden et que de ce jardin d'Éden, chaque arbre donnera des fruits qui nourrira. Donc, les fruits de la terre sont là pour nous aider à vivre, mais surtout à nous soigner. Et on n'arrête pas de le découvrir, toutes ces plantes qui soignent. Regardez les pharmaciens, les vrais pharmaciens qui sont spécialisés en phytothérapie, en plantes, qui font des thèses sur une plante, qui connaissent tout, mais ils le savent. Ils le savent que les secrets sont dans la nature, mais ils sont obligés de vendre les produits synthétiques empoisonnés et empoisonnants de Big Pharma. Sinon, ils ferment boutique. Donc, on transforme absolument toute la société en une société d'argent, de capitalisme à outrance. C'est pas que je crache sur le capitalisme, c'est que le capitalisme a trahi les citoyens, à tel point qu'aujourd'hui, on a de la misère alors qu'on ne devrait pas avoir de la misère. Dans une société comme la nôtre, tout le monde devrait manger à sa faim et personne ne devrait être malade. Et on devrait guérir tout le monde. Et on peut guérir tout le monde. Mais on ne le souhaite pas parce que tout ça, c'est une économie. Il faut faire fonctionner l'économie. Si votre chien meurt, vous n'avez pas le droit de le mettre dans votre jardin, soi-disant que ça pollue. Mais quand les chasseurs vont tuer une bête qui va crever dans la nature parce qu'elle a été mal tirée et qu'elle est blessée et qui va polluer les sols, là, personne ne dit rien. C'est ça l'aberration de cette société. C'est une société de la bêtise et de la destruction de l'humanité et de la nature. Alors, on continue. En fait, le phényltyl isothiocyanate, le PETC, a travaillé de manière comparable à la salinomycine, la salonamycine, salonamycine. C'est une chimiothérapie, mais sans les effets secondaires toxiques. C'est-à-dire que cette molécule qui se trouve dans les choux, les crucifères, est plus efficace qu'une chimiothérapie. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie vous donne une quantité d'effets secondaires et même vous met soit un, soit deux pieds dans la tombe. Alors que le phényltyl isothiocyanate, lui, tue le cancer et vous laisse indemne. Alors évidemment, vous ne digérez pas le chou, vous allez avoir des gaz, mais qu'est-ce que c'est que péter, hein, si vous pouvez avoir la vie sauve? Eh ben pétez, je sais pas, moi, faites la mitraillette, faites des concours, devenez comme Mimi le pétomane au début du XXe siècle, faites des spectacles, mais au moins vous serez plus malade. C'est pas une honte, hein, tout le monde pète. Allez, tiens. C'est pas le problème, ça. C'est le cancer qui est un problème et la façon dont il est développé volontairement par la technologie. En outre, les effets du PETC étaient nettement meilleurs en abrogeant la prolifération de cellules souches du cancer du col utérin que développe le paclitaxel, une autre chimiothérapie toxique. Et je vous en ai donné la preuve, le paclitaxel fait partie des trois chimiothérapies qui tuent. C'est noté, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a été prouvé scientifiquement. Chez les chercheurs, ça vaut quand même la peine de péter, merde! Chez les souris, les chercheurs ont constaté, pardon, également que le PETC a abaissé le nombre moyen et la taille des tumeurs.
Les chercheurs ont noté que, deux points, ouvrez les guillemets, il devient de plus en plus évident que le traitement du cancer qui ne parvient pas à éliminer le CSC, donc les cellules souches, permet la rechute de la tumeur avec la chimio classique. Les chercheurs ont conclu que ce qui est important est que le PET-C empêche la prolifération des cellules souches cancéreuses du col utérin et du cancer cervical, suggérant qu'elles pourraient contribuer à l'éradication du cancer plus efficacement que les composés ciblant les cellules souches du cancer ou cancer ordinaire. Donc, les choux sont plus efficaces que la chimio. C'est pas mal, non? Et après, ils viennent vous vendre un vaccin de merde qui s'appelle le Nanarazil, hein, Nenesteradé, en vous disant pour éviter le cancer du col de l'utérus. Mais c'est pas vrai! Ça évite rien du tout. Il n'y a aucune preuve scientifique que ce vaccin vous empêche d'attraper le cancer du col de l'utérus. Aucune. Aucune. D'ailleurs, le professeur Joyot en parle très bien. Vous n'avez pas à attendre le développement d'un nouveau médicament pour tirer parti du phénéthyl isothiocyanate, dont le PET-C. Les chercheurs ont constaté que les concentrations de PET-C qu'ils ont utilisées dans leur étude peuvent être obtenues par une alimentation riche en légumes crucifères. Ils ont recommandé notamment une alimentation biologique. Des recherches antérieures publiées dans le British Journal of Nutrition and Biochemical Pharmacology a montré que le PET-C du cresson peut réprimer le développement des cellules du cancer. Le cresson. On vous jette ça à la gueule au marché. Du cresson. La coriandre. On vous jette ça à la gueule. Ça détoxifie des métaux lourds. Tous ces produits qui valent rien et qu'on méprise sont les produits qui vous sauvent la vie. Faites attention à votre marché. Un petit groupe de survivantes du cancer du sein a mangé un bol de cresson et leur sang a été testé au cours des 24 heures suivantes. Les chercheurs ont trouvé des niveaux élevés de PET-C dans le sang après avoir consommé ce bol de cresson. Ça veut dire que vous faites une soupe au cresson, par exemple. Mesdames, vous avez un cancer du sein, vous vous faites des soupes au cresson tous les jours. Vous mangez du chou, soit tous les jours, si vous ne pouvez pas, une fois tous les 3 jours. Vous le mélangez à des pommes de terre, ça sera peut-être plus digeste. Eh bien, vous allez développer dans votre corps ce qu'on appelle le PET-C, qui va détruire les cellules souches du cancer, qui sont en train de fabriquer les cellules tumorales, qui sont en train de vous assassiner. D'autres études montrent que la consommation du cresson et du brocoli diminue le risque du cancer. Alors, on vous fait pas, il ne faut pas faire une chimiothérapie pour éviter le cancer, parce que la chimiothérapie va favoriser, comme je vous l'ai dit, le cancer. Il faut plutôt manger de la soupe de cresson, de la soupe de brocoli, ce type d'aliments, parce que là, le cancer ne peut pas se développer. Et le brocoli a été prouvé tuer les cellules souches qui font du cancer une molécule immortelle. Eh oui. Autant de bonnes raisons de manger davantage de ces légumes sains. Les légumes à tes souhaits, Louloute. Les légumes crucifères ont été initialement nommés pour la façon dont leurs fleurs semblaient former une croix ou un crucifix. Mais ils sont aussi appelés brassicées, brassicées, pardon, qui vient de leur nom botanique qui se traduit par chou. Les légumes crucifères plus courants que vous trouverez dans les supermarchés sont la roquette, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou commun, le collier de chou-fleur, le chou kale, les feuilles de moutarde, le radis, les rutabagas, le cresson. Toute cette liste vous guérira du cancer, madame, si vous avez un cancer du sein, ou du col utérin, ou de je ne sais quoi. Ces légumes ont également été prouvés améliorer les taux de survie chez les patientes atteintes du cancer des ovaires. Vous pouvez y aller, cet ovaire, hein? Rentrez, achetez des légumes sains. Vous verrez que bientôt, ils nous interdiront de les cultiver.
en inventant n'importe quel prétexte. Ils vont nous polluer tout ça et ils vont nous dire maintenant vous pouvez plus manger du chou, c'est toxique. Le chou, il n'y a rien de moins toxique que le chou et c'est le chou qui vous sauvera la vie. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Vous inquiétez pas. Vous savez, dans les années 50, on n'avait aucune maladie de la pomme de terre, hein. Non, non, les Américains sont arrivés avec des doryphores et des cochonneries comme ça, ils les ont lâchés dans la nature et après on a eu des pommes de terre malades qu'il fallait traiter avec des pesticides. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis désolé de vous expliquer comment tout est truqué. Regardez l'obsolescence du matériel informatique, c'est exactement la même chose. Apple a été condamné pour ça. C'est pas normal, par exemple, que vous ayez acheté un ordinateur il y a 5 ans et qu'aujourd'hui il ne fonctionne plus. Non! Alors, c'est parce qu'ils fabriquent des logiciels et les processeurs sont plus capables de les gérer. Donc, votre appareil qui fonctionne ne fonctionne plus. Eh bien, c'est pareil dans la nature. Alors, ces légumes contiennent un autre composé protecteur du cancer appelé le sulforaphane. Ce composé puissant améliore la capacité du foie à détoxifier les substances cancérogènes et autres toxines. D'autres aliments trouvés pour cibler les cellules souches cancéreuses comprennent. Alors, il y a la curcumine, donc dans l'épice curcuma. Un composé qui se trouve dans l'épice curcuma peut cibler les cellules souches cancéreuses cérébrales. Excusez-moi. La curcumine piperine, avec un composé de poivre noir, aide à empêcher les cellules souches cancéreuses du sein de se renouveler. Alors effectivement, on mêle le poivre avec le curcuma, parce que le poivre va affaiblir, si vous voulez, la muqueuse intestinale et va permettre à la curcumine de se répandre dans le reste du corps pour aller atteindre ces cellules souches du cancer. Alors, vous pouvez trouver également de l'ECGC, le 2, 3 yaourts, l'EGCG, c'est la dyslexie ça, un composé qui se trouve dans le thé vert et qui empêche les cellules souches cancéreuses de la prostate de se renouveler. Donc le thé vert est également un aliment, une boisson qui va empêcher les cellules souches de refabriquer les cellules du cancer. Et en combinant le GCG avec la quercétine, un composé qui se trouve dans les oignons et les pommes, cela provoque un arrêt de la propagation et de l'envahissement des tissus par les cellules souches cancéreuses. Alors je vous donne tous les liens, bien sûr. Alors évidemment, je vais les donner à ces faux journalistes de mes fesses qui vont tout repiquer, mais c'est pas grave, je vous les donne parce que c'est pour vous que je travaille, c'est pas pour ces FDP. Hein? D'accord? Merci. Maintenant, je vais vous donner une autre traduction très importante. Alors, on a déjà presque 1 heure, mais c'est pas grave, ce sera plus long. Il y en a qui disent que ça les gêne pas, alors ceux qui se plaignent que c'est trop long, bah, allez attraper votre cancer ailleurs. Alors sur Natural News, bien sûr, quatre aliments riches en enzymes qui peuvent améliorer considérablement la digestion. Ça a été publié en 2014, le 16 décembre, soit il y a exactement 3 ans. Alors qu'est-ce que c'est que les enzymes? Les enzymes gloutons. Ben, c'est un petit peu ça. Sauf qu'ils ont inventé ça pour la lessive. Parce que je vous rappelle que quand Homo est là, la saleté s'en va. Aujourd'hui, cette publicité ne pourrait même plus exister parce que ça pourrait être considéré comme publicité homophobe. Alors, elle dit, elle n'a rien fait. C'est qui le patron? Alors, les enzymes sont des nutriments très délicats
qui sont chargés d'effectuer pratiquement toutes les fonctions métaboliques. Nous avons environ 3000 enzymes uniques dans notre corps qui sont impliquées dans plus de 7000 réactions enzymatiques. Bref, sans enzymes, notre corps cesserait de fonctionner. Alors nos enzymes, c'est ce qui nous permet d'assimiler la nourriture, les boissons, tout ça. C'est-à-dire que dès qu'on mange quelque chose, on a une banque de données, qui est une banque de données enzymatique, qui elle va, c'est aller dans notre groupe sanguin d'ailleurs, liser le régime par groupe sanguin du docteur D'Adamo, qui est une remarquable étude qu'il a menée dans les années 90. Bon, aujourd'hui, Peter G. D'Adamo est décédé, mais c'est un travail absolument remarquable. Évidemment, quand j'en parlais au médecin de ma connaissance, il me faisait... Bon, attends, alors, tu as une empreinte digitale qui est complètement différente de celle de ton voisin, mais tu crois que ton groupe sanguin, qui est différent de celui de ton voisin, c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est pas... C'est inutile? C'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Hein, c'est pas du tout un hasard. Et D'Adamo a prouvé que justement chaque type de groupe sanguin avait une structure enzymatique qui lui permettait de digérer plus de protéines, plus de céréales, plus de ci, plus de ça. Donc c'est pour ça que parmi vous, selon vos groupes sanguins, il y en a certains qui sont plus attirés par la viande en général, c'est des O, d'autres qui sont plus attirés par les végétaux. Les fruits, les légumes, c'est les A, les AB, ben c'est l'entre-deux, les B, c'est encore plus spécial. Donc, il a fait une grammaire là-dessus qui est passionnante. Donc, ces enzymes nous permettent à nous de digérer tout ce que nous mangeons. Mais les pesticides, des messieurs Monsanto, fait de nous des gros facochiens. Pourquoi? Mais parce que ces pesticides détruisent notre structure enzymatique en la remplaçant par d'autres enzymes synthétiques qui vont proliférer dans notre intestin, d'où l'intérêt de consommer des probiotiques pour régénérer notre structure enzymatique et de probiotiques. C'est les bonnes bactéries. Donc, les pesticides, qui sont des perturbateurs endocriniens, détruisent nos structures enzymatiques à tel point que nous devenons allergiques au lactose, nous devenons allergiques aux noix grâce aux vaccins, parce qu'il y a souvent des graisses de type huile d'arachide ou autres qui sont mises dans les vaccins. On n'a jamais eu autant d'allergiques aux noix qu'au XXe et surtout au XXIe siècle. Aujourd'hui, un enfant qui est allergique aux noix, ben, il y a un composé de noisettes ou de noix de pécan ou de je ne sais quoi. Dans un aliment, il fait un œdème de coin qui meurt dans les 20 minutes. Donc tout ça, c'est lié au vaccin. On le sait. Passons. Donc la structure enzymatique, elle est mise à mal. On en souffre tous. Alors là, après, vous avez les grands pontes de l'ignorance qui vont vous dire, oh, il fait chier celui-là, il est allergique au lactose, il est allergique au gluten et tout. Il ne peut pas faire comme tout le monde. Mais bande de connards! C'est pas de leur faute aux gens s'ils deviennent allergiques et intolérants. C'est parce que vous avez autorisé ces assassins de Monsanto, Bayer et autres à répandre du glyphosate partout, qui a pollué nos sols, qui a détruit la faune et qui a détruit nos intestins, et qui a fait justement, parce que j'en parlais hier avec une amie, son compagnon a eu une illumination en déclarant que s'il y a tous ces problèmes de transgenre, c'est sans doute lié aux perturbateurs endocriniens. Et je lui ai dit que je confirme tout ce qu'il dit parce que là-dedans, il y a un médecin qui a fait des études, des recherches que j'ai publiées et qui déclare qu'effectivement, les perturbateurs endocriniens vont perturber le développement du fœtus à tel point que les fœtus mâles ou femelles vont être tellement perturbés par ces perturbateurs endocriniens, donc ces poisons, que s'ils vont garder leur sexe, eh ben leur structure hormonale va être tellement chamboulée ben qu'à la sortie, on va avoir des humains qui ne savent plus qui ils sont. C'est ça le problème. Mais ça aussi, c'est fait exprès. C'est une manipulation génétique organisée par ces criminels
qui nous imposent leur glyphosate, leurs OGM et tout cela. Les OGM, c'est vraiment la plus extraordinaire création de destruction du vivant. Ça, c'est évident. Alors, on reprend aux enzymes. Malheureusement, un régime alimentaire moyen est presque complètement dénué d'enzymes. Transformer les aliments souvent trop cuits détruisent leur teneur enzymatique, laissant votre corps affamé, privé de ce nutriment essentiel à la vie de chacun. Quand on vous dit que lorsque vous cuisez des légumes, laissez-les croquants. Pourquoi? Mais parce que vous préservez les vitamines et les enzymes. Si vous... Je me souviens quand j'étais petit à la cantine, on nous servait des carottes, mais c'était monstrueux. C'était... Ça s'écrasait comme s'il n'y avait rien là-dedans. C'était... Puis c'était dégueulasse. Il n'y a pas de résistance, il n'y avait rien. C'était immonde, immonde. Donc, laissez toujours vos légumes mi-cuits, jamais cuits à fond. Évidemment, pour une soupe, c'est différent, mais à moins que vous preniez vos légumes, vous mettiez de l'eau, vous les passez au mixeur, vous faites une soupe froide, ben, elle est pleine de vitamines, vous la faites tiédir peut-être, mais ne la chauffez pas à 100 degrés pour détruire tous les nutriments. Je vais quand même pas vous apprendre aussi à comment faire la cuisine. Je pourrais vous faire un livre de cuisine aussi. Alors, transformer, excusez-moi. Alors, si vous vous plaignez de votre santé, vous pouvez utiliser plusieurs enzymes dans votre alimentation. Et les cinq qui suivent couvriront cette exigence au centuple. Alors, un fruit dans lequel vous trouvez de merveilleuses enzymes, c'est la papaye. Vous allez me dire, ben oui, en France, il n'y a pas de papaye, il faut la faire venir. Ben oui, je sais, mais c'est comme le mangoustan, c'est pareil, on le fait venir. La papaye est un fruit riche en sources d'enzymes protéolytiques, comme la papaïne, qui peut grandement aider le processus de digestion. La papaïne a été considérée comme l'un des plus efficaces dans la décomposition de la viande et autres protéines, et il fonctionne en clivant les liaisons peptidiques des protéines complexes, les casser vers le bas pour leurs acides aminés individuels, afin d'être prêtes pour le sujet dans la croissance et la réparation du corps. Donc, quand vous mangez de la viande, eh ben, mangez 15 minutes avant le repas de la papaye, ce qui vous permettra de bien assimiler la viande. Et ça, je le dis par exemple pour pour ceux qui ont un groupe A, donc les végétariens, tendance végétarienne, qui quand ils mangent de la viande rouge, eh ben, ils sont lourds, ils sont gonflés, ballonnés, ils sont pas bien. Eh bien, s'ils prennent de la papaye, cette enzyme va aider à la digestion de cette viande qui ne correspond pas à la structure enzymatique, d'ailleurs, naturelle d'un groupe A. En revanche, un groupe O, c'est même pas la peine qu'il en prenne. Lui, de la viande, il peut en manger même crue, ça ne lui posera jamais de problème. Comme la papaye est riche en sucre naturel, c'est une bonne idée de la manger seule et non pas accompagnée d'un lourd repas de protéines animales. Et de préférence, 15 à 30 minutes avant un repas. Alors, le deuxième enzyme que l'on va trouver dans l'ananas, qui est un fruit miraculeux, pourquoi? Parce que dans l'ananas, on trouve de la alors, bromelaine ou bromelain, ou de la bromeline, enfin ça dépend comment on le prononce, et qui se trouve dans le cœur de l'ananas. Et alors évidemment, quand vous allez dans les supermarchés, que vous voyez qu'ils vous nettoient les ananas, ils sortent le cœur, ils le jettent. Ah, malheureux! C'est là-dedans qu'il y a tous les anticancéreux. Et si vous avez un cancer, achète pas l'ananas, mais achète que le cœur. Tu jettes tout là? Ouais, je jette tout, bah tu me le donnes. Et j'ai pas le droit, tu me le donnes, je te mets une claque. Voilà. Mais écoute, Loulou, il faut lutter pour sa vie. J'ai le droit de dire ça quand même, non? Dis-toi, Sinich, sors la clé. La bromeline est un mélange complexe de substances qui peuvent être extraites à partir du fruit de la tige et de la base de l'ananas. Non, mais parce que Loulou, elle me dit, mais tais-toi, dis pas des grossièretés, tais-toi, tais-toi. Des fois, on peut pas faire autrement. C'est-à-dire dans son centre, dans son cœur, que tout le monde jette sans savoir. Parmi les dizaines de composants qui existent encore dans cet extrait brut, les composants les mieux étudiés sont les protéines qui digèrent les enzymes appelées protéases de cystéine.
Ces enzymes ne se limitent pas aux prestations juste digestives. Cependant, comme les recherches l'ont montré, ils aident également à soulager les inflammations excessives, coagulation excessive du sang et certains types de croissance de la tumeur. Étant donné que l'ananas est aussi riche en sucre naturel, c'est une bonne idée de le manger naturellement, préférablement évidemment 15 à 30 minutes avant un repas. Toujours, hein, les enzymes c'est toujours avant le repas. Le pollen, alors là on va y venir. Mais attention, c'est vicieux. Le pollen d'abeille est souvent considéré comme un des aliments les plus complets de la nature, c'est vrai. Mais alors au goût, c'est absolument dégueulasse. Il contient presque tous les nutriments requis par les humains et un large spectre d'enzymes bénéfiques, dont l'amylase, la catalase, le cosinase, le cytochrome et le déshydrogénase, la diaphorase, c'est pas la diasporase, la diastase, la pectase et la phosphatase. Il y en a d'autres? Non, ça suffit. Ça suffit. Le pollen d'abeille peut être consommé tel quel ou mélangé avec du gruau, ce qui en fait une super collation. Coalition. Une super collation. Pourtant, le pollen d'abeille peut provoquer des réactions de type allergique. Alors, soyez conscient de cela quand vous l'essayez pour la première fois. Mais, et ça, ils ne le disent pas, parce que visiblement, ils ne le savent pas. Même si vous prenez une cuillère de pollen, eh bien, je vais vous dire, ça ne sert à rien. Et il vient de dire le contraire. Absolument. Parce que votre intestin ne peut pas percer la coque du pollen qui est trop dure. Donc, pour consommer le pollen, il faut le rendre en poudre. Il faut faire de la poudre de pollen. Mais évidemment, ça colle, c'est dégueulasse. Enfin, c'est très particulier. Donc, vous prenez, quand vous avez du pollen, un pilon, et vous pilonnez votre pollen, ça va coller, c'est pas grave. Vous le diluez et là, ça devient efficace. Autrement, ça ne sert à rien. Parce que vous le mangez et vous allez le ressortir comme vous l'avez mangé. Sans qu'on ait pu en prélever les éléments nutritifs. Ben oui, on ne vous le dit pas. Les légumes fermentés. Alors les légumes fermentés, c'est miraculeux. C'est plein de probiotiques. Les légumes fermentés utilisant la choucroute et le kimchi ont été développés depuis des siècles comme un moyen de préserver les légumes destinés à la consommation à travers les longs mois d'hiver. Alors qu'est-ce que c'est que le kimchi? Eh bien c'est du chou, parce que c'est coréen, hein, parce que les Coréens mangent beaucoup de chou. Mais alors c'est du chou qui est trempé dans le vinaigre, c'est délicieux, hein, pour ceux qui supportent. Moi, personnellement, je ne supporte pas le kimchi. Mais quand on était en Corée, les filles, elles mangeaient ça sans problème. Mais moi, non. Ça veut dire que c'est pas bon pour tout le monde. Mais c'est un excellent aliment. D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de cancers en Corée. Hein. C'est pas par hasard. Hein. Corée du Sud. En Corée du Nord, ils n'ont rien à manger, les pauvres. Donc c'est pas drôle. Alors, il est dit que l'armée romaine s'était déplacée avec des tonneaux de choucroute fermentée pour prévenir les infections intestinales parmi les troupes au cours de longues campagnes. Légumes fermentés, alors c'est une excellente source alimentaire, bien sûr, et contenant de nombreux éléments nutritifs, notamment des enzymes vivants, à condition qu'ils n'aient pas été pasteurisés de quelque sorte que ce soit. Il ne faut pas pasteuriser, hein. Il faut laisser les bactéries se développer. Ces enzymes vivantes sont accompagnées de probiotiques bénéfiques, ce qui en fait une combinaison exceptionnelle pour une digestion efficace. Les légumes fermentés peuvent être consommés tels quels, mais ils accompagnent n'importe quel repas. C'est le cas du kimchi. Vous mangez jamais du kimchi comme ça. Il est accompagné des plats habituels, des racines. Les Coréens, ils sont un petit peu comme les Crétois. Ils sont habitués à manger des choses très basiques. Qu'on trouve dans le sol, qu'on trouve dans la terre, des œufs, tout ça, des aliments qu'on trouve partout. Parce qu'ils ont appris à se nourrir avec peu. C'est ce qui fait une cuisine très particulière. Bon, le problème aussi en Corée, c'est les épices. Alors là, le piment, c'est. Si vous n'aimez pas pimenter, c'est très très dur. En fait, si vous voulez améliorer la digestion de tous les repas, vous devriez fortement envisager une garniture de légumes fermentés. Les autres aliments riches en enzymes que vous pouvez envisager sont le melon, la mangue, le kiwi, le raisin, l'avocat,
le miel brut, le kéfir, le jus d'herbe de blé et le lait et l'eau de coco. Alors l'eau de coco, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il faut savoir que l'eau de coco se trouve évidemment dans la noix de coco et elle est complètement pure. C'est-à-dire que, comment vous expliquer cela? Pendant la guerre du Vietnam, les médecins utilisaient l'eau de coco comme sérum pour les blessés, parce qu'elle était complètement désinfectée, puisque toutes les racines de l'arbre à coco va filtrer tous les éléments par le sol, à travers les couches du sol, et cette eau qui va se remplir dans la noix de coco, elle est pure. Elle est pure. Donc, évidemment, elle est pure quand vous prenez la noix de coco qui tombe de l'arbre. Hein. Si vous la laissez là-dedans pendant 3 semaines, je ne sais plus ce qu'elle vaut, hein, puisqu'elle n'est plus alimentée. Hein. Donc, je vous le dis, il faut vraiment la trouver sur place, quoi. Alors, découvrez le premier lien de la source, comment faire vos propres... fait maison, d'accord. Bon, je vous donne tous les liens. Vous pourrez faire ça à la maison comme vous le souhaitez. Alors, on va continuer. On a dépassé 1 heure. Je m'en fiche, tant pis. Hein. On y est, j'ai bossé pour vous. Alors, à présent... Je vais aider les personnes qui se considèrent comme des gros facochiens. Des gros cochons. Avec la cannelle. Alors, je vous signale que la cannelle a été interdite hein, par l'OMS, soi-disant que c'est toxique, mais je vais vous expliquer pourquoi l'OMS déclare que c'est toxique. Parce que ça peut vous aider à maigrir et que, en fait, maigrir avec de la cannelle, ça coûte. De la cannelle et pas de la quenelle, ça coûte que dalle. Alors que maigrir avec des médicaments, ça coûte beaucoup plus cher et ça peut même vous tuer et flinguer vos reins. Je vous le signale. La cannelle pourrait être le secret pour perdre du poids. Du poids. Pour toi qui te sens trop gros. Il faut que j'en prenne aussi, j'ai pris du ventre. C'est un article qui a été écrit par Annie Lise Stan, qui a été posté en décembre, le 13 décembre 2017. Ben, ça tombe bien parce que c'est l'hiver et la cannelle, on l'utilise beaucoup. Je vous donnerai tous les liens. Alors, il y a beaucoup d'ingrédients prétendus utiles à la perte de poids. Eh oui, il y en a beaucoup. On vous fait croire et tout et n'importe quoi. En revanche, c'est que votre corps est censé stocker de l'énergie sous forme de graisse dès que possible. Eh oui, le corps stocke, surtout quand l'hiver arrive, de la graisse pour vous donner, pour libérer cette graisse quand vous avez besoin d'énergie. C'était une bonne chose pour nos ancêtres, parce qu'ils vivaient dehors et toujours dans le froid, parce que cela signifiait les garder au chaud et avoir plus d'énergie. Toutefois, à l'époque moderne, où tout est une question de recherche, pour être attrayant et athlétique, grossir devient un facteur négatif. Mais attention, on ne grossit pas comme ça, hein. On grossit à cause de l'alimentation qu'on prend. Pourquoi aux États-Unis on a le plus grand taux d'obèses de la planète, mais en Chine ça vient, hein. Ben, c'est parce que on mange que des aliments sucrés, on mange des hamburgers avec du pain sucré, avec du ketchup sucré, avec des pickles sucrés et acides, avec des viandes clonées. Enfin bref, ils ont des. Vous allez aux États-Unis, vous commandez un steak. En France, le steak, bon, il est riquiqui. Aux États-Unis, bah, il est épais comme ça, puis il est grand comme ça. C'est une entrecôte de bœuf, il faut 3 assiettes. Donc, ils sont habitués à bouffer, à bouffer. Alors, ils adorent les trucs à volonté, là. Vous payez 15 dollars et vous mangez à volonté. Bah, alors, tant que vous avez payé, donc c'est complexe du petit profit. Donc, vous bouffez, vous bouffez, vous bouffez. Après, vous ressortez comme ça, oh, on en a bien mangé. Bah ouais, en fait, vous vous êtes tué. Vous vous êtes tué parce que trop manger n'est pas bon pour le foie d'ailleurs. La preuve, on gave bien les canards et les oies, c'est pas par hasard. Et là, on gave les humains de la même façon. Alors n'oubliez pas qu'il existe une solution. L'astuce serait de préserver votre métabolisme et d'éviter à votre corps le recours au stockage des graisses. La cannelle est un grand remède quand il s'agit, selon de nombreuses études et recherches, de perdre du poids. La cannelle vous aide à perdre du poids d'après des études médicales.
Une étude datant de 2003, comme quoi tous les diététiciens qui veulent vous faire maigrir sans jamais prendre de la cannelle, on se demande où ils ont eu leur diplôme. Parce qu'on est en 2017, hein, 2003. Là, on avait déjà les preuves. Une étude datant de 2003 basée sur 60 personnes atteintes de diabète de type 2, ça c'est les vaccinations, réparties obligatoirement en deux groupes. Un groupe consommait, alors, 3 ou 6 grammes de cannelle par jour, excusez-moi, et l'autre groupe a été fourni en pilule placebo. Il n'y avait rien là-dedans. Après une période de 40 jours, le groupe qui a consommé la cannelle a eu les résultats suivants. Écoutez bien. Glycémie à jeun a été ramenée de 18, entre 18 et 29%. Ça a baissé. Les triglycérides ont été réduits de 30 à 23%, à moins 23%. Le LDL cholestérol est passé de 7 à moins 27%. Cholestérol. Mort de rire. Le total du cholestérol a été ramené de 12 à 26%. Et juste la cannelle. Et ils vont vous donner des. Ah bah oui, votre triglycéride, votre glycémie, votre cholestérol. Bah, attendez, je vais vous donner des médicaments qui vont vous rendre débile et qui vont faire des places vides dans votre cerveau. Bah, il faut éliminer, quoi. Vous comprenez pourquoi ils veulent supprimer la cannelle maintenant? Alors vous allez me dire, mais la cannelle, comment? La cannelle comme ça? Non. Calmez-vous, ça vient. Même si cette étude a été basée principalement sur les patients diabétiques, elle a aussi eu des implications pour la perte de poids et elle est plus citée lors de la promotion de cannelle pour la perte du poids. Alors comment la cannelle influe-t-elle sur la perte de poids? La cannelle est riche en calcium, en fibres, en manganèse et en fer et a un effet positif sur les niveaux de sucre dans le sang. Dans le temps, il augmente le taux d'insuline dans le corps. C'est super pour les diabétiques, ça. Plus besoin de se. Sachant que la glycémie élevée peut conduire à l'augmentation du stockage de graisse dans le corps, et la cannelle aide à prévenir ce stockage accru des graisses et permet de perdre du poids. Une autre bonne chose au sujet de la cannelle est celle d'empêcher la transformation du sucre métabolisé en matière grasse, et elle retarde également le passage des aliments de l'estomac dans l'intestin. Donc, quand vous mangez trop de sucre, automatiquement, le corps va transformer ces sucres en graisse. C'est pour ça que quand on mange du sucre, bah, on devient énorme. C'est valable dans les sodas, hein, comme dans le truc du Père Noël, là. C'est une ordure. C'est valable dans les autres trucs. Bon, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai jamais bu ce soda-là. Hein. Il m'arrive d'en boire. Quand vous avez une gastro, vous vous videz, il faut remplir de sucre. Parce que vous perdez tous vos oligo-éléments et votre sucre, donc c'est pratique pour combler les manques. Ça, c'est même parfois nécessaire. C'est la chimie, tout simplement. Donc, une fois de temps en temps, c'est bon, mais pour éliminer ces sodas-là, il faut à peu près 3 jours. Rien que pour vous dire. Alors, grâce à cet effet, vous vous sentez à satiété plus longtemps et vous mangez moins grâce à la cannelle. Enfin, la cannelle aide à traiter plus efficacement les hydrates de carbone qui vous aident aussi à perdre du poids rapidement. Le meilleur régime pour vous aider à perdre du poids à la cannelle. Alors, la cannelle et le miel. Vous voyez, moi, je vous donne ça gratuitement. Bientôt, il faudra me payer des consultations parce que je fais le travail que les autres ne font pas. Maintenant, ils fidélisent la clientèle, comme ça vous revenez, oui, ça n'a pas marché, on va vous donner autre chose, puis ça ne marche pas. Alors que les produits naturels sont à votre disposition, ils vous ont coûté 3 francs 6 sous, et vous ne le savez même pas. Le miel peut également aider à perdre du poids, malgré que ça soit sucré, mais en combinaison avec de la cannelle, c'est censé être un excellent remède. C'est d'ailleurs un excellent remède pour le cœur également. Voici quelques recettes de cannelle et le miel pour la minceur. Alors, cannelle, thé et miel. Ingrédients. Une demi-tasse d'eau. Tu notes? C'est bien. Un bâton de cannelle. Une cuillère à soupe de miel. Préparation. Faire bouillir l'eau et ensuite verser le bâton de cannelle dans un verre d'eau. Laisser le bâton de cannelle dans l'eau pendant 10 minutes. Ensuite filtrer et ajouter le miel. Voilà. Une autre recette. Cannelle, miel, citron. Ingrédients, une demi-tasse d'eau, une cuillère à café de cannelle en poudre,
une cuillère à café de miel, une cuillère à café de jus de citron. Préparation, faites bouillir l'eau dans une bouilloire, mélangez la cannelle en poudre avec le jus de citron et le miel dans un bol, ajoutez l'eau au mélange, puis bien mélangez. Thé vert, cannelle et miel, troisième recette. Ingrédients, une tasse d'eau, une cuillère à café de cannelle en poudre, une cuillère à café de miel, deux cuillères à café de thé vert. Et vous avez votre thé à la cannelle et au miel. Bon, c'est la même méthode. Vous pouvez également inclure la cannelle dans votre alimentation. Alors, vous ajoutez une cuillère à café de cannelle à vos flocons d'avoine si vous en mangez. Le problème, c'est qu'ils sont la plupart du temps OGM. Ou à vos céréales au petit déjeuner. Le problème des céréales, c'est qu'elles sont pleines de métal. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Du métal dans les céréales? Eh oui, mesdames, vous donnez des céréales à vos enfants, il y a du métal dedans. Alors, je vais vous donner un conseil. Surtout, n'achetez jamais des céréales de mauvaise qualité, ou les moins chères, bien sûr. Prenez toujours le haut, parce qu'il y a vraiment bien plus de métal dans les petites céréales. Il y a plus de fer. Je parle de fer, c'est vraiment du fer. C'est-à-dire, vous mettez un aimant, vous mettez vos céréales, et bien vous allez voir que il y a plein de céréales qui vont coller à l'aimant. Et ça, c'est lié justement au fer qui est ajouté aux céréales. Bon, ça a été prouvé par Mike Adams d'ailleurs. Vous pouvez aussi ajouter de la cannelle à votre café ou à votre thé régulièrement. Vous pouvez aussi mélanger avec du yaourt, quoique le lait c'est pas bon, hein, du beurre ou du fromage à tartiner pour en rehausser la saveur. Ajoutez à votre jus de fruits ou cidre de toutes sortes. Ajoutez au mélange de votre shake protéiné si vous le souhaitez. Bon, allez, on va arrêter là parce que je suis un peu fatigué là, 1h22. J'avais encore à vous parler du saumon. Du saumon parce que bon, ça fait une semaine que j'ai cet article sous les yeux qui a été publié en janvier 2017. Vous pouvez voir actuellement sur Internet des gens qui ont filmé du saumon. À la fois chez les revendeurs de produits discount, l'idole des jeunes, si vous voyez ce que je veux dire, ou chez Carrefour, Cora, machin, n'importe où, n'importe où. C'est pas de leur faute, ils y peuvent rien, hein, ça je vous le dis tout de suite. Et donc, vous pouvez constater qu'effectivement, tout le saumon qui vient du Pacifique, d'origine pacifique, hein, est contaminé avec un ver solitaire japonais. Hano, japonais, c'est un ninja. Et ce ver solitaire japonais a contaminé tous les saumons du Pacifique. Alors je vous lirai ça la prochaine fois, mais je vous mets en garde. Hein, c'est pas de la faute des revendeurs, hein, c'est pas parce que ils vendent du saumon, hein, c'est parce que c'est valable aux États-Unis, c'est valable au Japon, c'est valable. Alors pour les sushis, c'est pareil. Hein. Vous faites très très attention avec le saumon qu'il y a dans les sushis. Si c'est un saumon d'origine du Pacifique, ben, le ver solitaire est dedans. Et on voit d'ailleurs sur des vidéos que le ver se promène dans le paquet. Hein. Donc que je vous signale qu'il peut quand même atteindre 94 cm. Donc, et qu'il est responsable de nombreuses maladies. Alors, ne mangez pas de saumon cru. Si vous avez du saumon que vous achetez n'importe où et qui vient du Pacifique, il faut le cuire, même ceux des sushis. Ou alors, vous congelez le saumon. Vous comprenez? Vous le congelez. Une fois qu'il est congelé, eh bien le ver, il est mort. Et ensuite, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais s'il n'a pas été congelé, le ver est toujours vivant. Voilà. Bon appétit, hein, c'est Noël. Ok? Bon, alors, Louloute et moi, on vous salue. Si je fais pas de capsule d'ici Noël, ben, je vous suis, si je vous en ferai. Si. Le placard. Bon, je vous en ferai une. Et puis voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, c'est tout. C'est tout. Je m'en fous des pouces négatifs, moi. C'est pas moi qui. Faites circuler, s'il vous plaît. Permettez aux gens de s'informer. Achetez mes bouquins, vous me rendrez service. Et vous vous rendrez service à vous également. Hein.
s'il vous plaît. Quand vous m'écrivez, ne faites pas de monologue, hein, ne me racontez pas votre vie en donnant les réponses. Si vous avez des choses à me dire, je vous en prie, dites-les, moi je vous écoute. Mais si c'est pour entendre des monologues, ça m'intéresse pas. S'il n'y a pas d'échange, apportez-moi plutôt quelque chose, plutôt que de m'ennuyer avec des trucs auxquels je ne peux pas répondre. D'accord? Hein? Merci beaucoup. Salut.